Faire échec à la manipulation sous toutes ses formes, c'est le souhait du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'est entretenu avec des jeunes de la Confédération de l'AUS, présents à Ouagadougou dans le cadre de la première édition des universités d'été de l'AUS. Le chef de l'État dit compter sur la jeunesse consciente et engagée pour relever les grands défis qui se présentent à la Confédération. Moussaki. Palais de Koulouba cet après-midi. Une délégation des organisateurs de l'université d'été, des jeunes des pays membres de la Confédération des États du Sahel, est face au président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces jeunes, avec à leur tête des chefs de département en charge de la jeunesse, font le point des activités de la première édition de leur université d'été et prennent des orientations avec le chef de l'État. D'abord, il a rappelé l'importance aujourd'hui de la jeunesse dans le cadre de la mission qui est assignée à chacun de nos départements. Il est impératif à ce que les jeunes soient suffisamment engagés pour répondre à cela. La deuxième chose, c'est aujourd'hui dans le cadre du volontariat. Il est important de noter que aujourd'hui dans le cadre des défis que nos pays sont en train de traverser, la position et le rôle du volontariat est extrêmement important et même crucial. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse qui est non seulement présente, une jeunesse qui est engagée, mais une jeunesse qui apporte des changements et qui apporte des solutions. Le capitaine Ibrahim Traoré explique à ces jeunes les grands défis du moment dont fait face la Confédération des États du Sahel. En premier lieu, la manipulation. Au-delà de la guerre conventionnelle que nous connaissons, nous avons une guerre communicationnelle qui existe. Et dans cette guerre communicationnelle, certains acteurs qui ne sont pas en phase aujourd'hui avec nos différents pays sont en train d'utiliser ces canaux-là pour essayer de déstabiliser nos pays. Donc il faudrait que cette jeunesse soit suffisamment consciente des informations qui sont véhiculées sur le plan communicationnel, de savoir qu'est-ce qu'il faut partager, qu'est-ce qu'il faut dire, et d'avoir toujours en réflexion et en idée, est-ce que les messages, les vidéos qui sont partagés sur les réseaux sociaux sont là aujourd'hui pour soutenir les actions qui sont en cours pour maintenir aujourd'hui la dynamique ou sont là pour déstabiliser nos différents pays. Donc ça, c'est un rôle qui est extrêmement important. La délégation, au nom de leurs camarades, apporte son soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces jeunes participants de la première université d'été entendent capitaliser les acquis et les expériences en matière de jeunesse et de volontariat.